Good morning, Aliden. Les tuyaux aujourd'hui le nishmat Amram Yonah ben Chana Peggy bat Esther Zrabat Mazal Tov Shishporti Simon bat Leoni Michel Novikov aussi de Fuat Ruth bat Claudine Traina et Simcha bat Masudi bat Or Shachol Israël. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions aujourd'hui Shvuot Perek Dalet Mishnah Yud Bet. Shilach beyad avdo Or Shamar lahem anitba mashbi ani alechem. שאם אתם יודעים לו עדות שתבואו ותעידו הרי אלו פטורים עד שישמעו מפי התובע. On a une Mishnah de nouveau très courte, mais on va en profiter pour avancer la prochaine Mishnah aussi, comme ça on va équilibrer un petit peu entre celle d'aujourd'hui et la prochaine Mishnah Bezrat Hashem. En tout cas, on continue à parler bien sûr de la Shvuat Ha'Edut pour encore les deux prochaines Mishnayot, après on va parler d'un tout autre sujet. Shvuat Ha'Edut, pour rappel, quelqu'un qui sait un témoignage qui peut m'aider, jouer en ma faveur, a un devoir de venir témoigner au Beit Din, et je suis en droit de lui imposer de jurer. Si toutefois il me dit qu'il peut pas, qu'il connaît pas de témoignage, alors j'ai un droit de le sermenter. Et donc je l'invite au Beit Din et je l'assermente. Et lui, s'il nie après que j'ai prononcé la Shvua, alors il sera passible d'un korban de Shvua Ta'edut, comme ce qu'on a pris jusqu'à maintenant. On a appris maintenant dans les dernières Mishnayot plusieurs petits détails, à quel moment prononcer la Shvua, en désignant spécifiquement les témoins et pas en parlant de manière générale. Dans notre Mishnah maintenant, on va apprendre qui doit assermenter concrètement. Shilach beyad avdo, il a envoyé son esclave. O shamar lahen anitba, ou bien au lieu que ce soit le plaignant qui leur demande de jurer, ça a été l'accusé. L'accusé s'est tourné vers eux. Elle leur a dit, Oshar Marlen Anitba, il y a le Tovea et le Nitba. Ouais, en français et en hébreu, il y a le Poel Nifal, c'est en grammaire, celui qui connaît quoi, la forme Nifal, ça devient la forme passive, factitive quoi. Le Tovea, c'est celui qui réclame, ouais, le plaignant, et le Nitba, c'est celui qui est réclamé, passif, donc ça va être l'accusé. Donc là, en tout cas, bon, on va revenir à notre mot. Oshamar l'anitba, le nitba, l'accusé, a demandé au témoin, Mashbia ani alechem, je vous assermente, Shimatem yodim lo edut, que si vous savez un témoignage qui peut jouer en la faveur de moi, donc de Reuven, Shetavou vetaidu, que vous veniez et que vous témoignez pour lui. D'accord ? Donc finalement, notre Mishnah vient, il nous apprend tout simplement, prononcer le serment, réclamer la joie et prononcer le serment, ça doit être fait avec l'accusé, avec le plaignant qui a besoin de cette joie et pas avec personne d'autre, ni même par celui qui vient par son esclave ou par tout celui qui viendrait par procuration. Non, justement, pas par celui qui vient par procuration, on en parlera dans quelques secondes. Donc par son ni même par prononcé par son esclave, supposons que moi je suis là et que mon esclave lui s'occupe de lui dire jure pour mon maître. Donc, c'est plus moi qui lui impose de jurer, c'est mon esclave, ou encore, c'est l'accusé lui-même qui dit « Vas-y, allez-y, parlez, si vous savez, n'ayez pas peur de moi, parlez, je vous impose de parler, que si vous savez, je vous assermente. » Eh bien, la Mishnah nous enseigne « Aré et Loupturim ». Ils seront pturim, dispensés d'apporter le korban de la Shvuat Ha'Edut, ils n'auront pas transgressé la Shvuat Ha'Edut. S'ils ont menti, ils ont peut-être transgressé comme ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, peut-être la Shvuat Bitouille selon les conditions. Là, pour le moment, on parle qu'ils sont mésides, donc les mésides, il n'y a pas de Shvuat Bitouille. Donc, Arelo Pturin, Achishmeo Mipiatovea, jusqu'à qu'ils entendent directement par la demande, la réclamation du Tovea, du plaignant, de celui qui veut les amener au Bedin, pour qui le serment va jouer en sa faveur. D'accord ? D'où apprend-on cet halakha ? Le Barthénois nous dit, Dirtiv Achishmeo Mipiatovea, jusqu'à qu'ils vont écouter de la bouche du Tovea, que le Tovea, le plaignant, on va leur imposer de jurer, dire-t-il « Imlo Yagid ». Regardez comment c'est écrit dans le pasouk, le partenaire apporte le mot « Imlo Yagid ». Vous savez bien, en hébreu, il y a « Lo Lamed Vav » et « Lo Lamed Aleph ».« Lo Lamed Vav », ça veut dire « lui ». D'accord ?« Dis-lui, ta guide, lo », ça s'écrit « Lamed Vav ».« Dis non », ça s'écrit « Lo Lamed Aleph ». D'accord ? Donc si je dis « ta guide, lo », ça veut dire « avec un Aleph », c'est-à-dire, réponds non. Si je dis ta guide l'eau avec un va, c'est-à-dire dis-lui. Ok ? Regardez maintenant comment la Torah a utilisé le mot. Je préfère juste ouvrir pour avoir le pasouk
intégralement, ce sera toujours plus agréable. Et il y a marqué là-bas que Nefesh, c'est le premier pasouk, Venefesh ki techeta, ça va d'ailleurs nous servir pour la suite, pour la prochaine Mishnah qu'on va commencer tout de suite. Venefesh ki techeta, lorsqu'un homme fautera. Veshama kolala, et qu'il a entendu une voix de, littéralement, Allah c'est une joie ou c'est plutôt une malédiction. On va en parler dans quelques, quand on arrive à la prochaine Mishnah. Vehu ed, et il était témoin. Soit il a entendu qu'on l'a assermenté, et il était témoin. Ora oyada, et qu'il savait, et qu'il avait vu, ou qu'il connaissait un témoignage, parce que l'autre avait reconnu devant lui. Imlo yagid, venasa vono. Donc, je l'assermente, et lui, il entend que je l'assermente, et lo yagid, il ne veut pas dire la edoute, le témoignage qu'il sait. Venasa vono, et donc il sera fautif et devra ensuite apporter un korban. Là maintenant, le imlo yagid, regardez, la Torah l'a écrit avec un vav et un aleph. Pour te dire. Alors quoi, on a un problème, c'est-à-dire lo yagid, ça veut dire il a dit non, il n'a pas voulu dire. Mais tu me rajoutes un vav. De là, nos maîtres déduisent ce que le bâtonnant en avant, dire tivim lo yagid, male bevav ve aleph. Le pasouk, le mot lo, il est plein avec un vav et avec un aleph, pour que les midrash achi, afin que tu l'interprètes de cette manière. Im lo lo yagid, klomar la tovea, venasa avono. C'est-à-dire pour t'apprendre que Imlo, si à lui, lo yagid, tu décomposes le mot lo en deux lo, tu fais lo lo. Un premier avec un vav, un deuxième avec un lef. Peu importe, quand même. En tout cas, comme ça, le partenaire l'apporte. Donc, Imlo, lo yagid, si à lui, il ne lui dira pas. Ouais, on interprète le mot doublement. Imlo, lo yagid, si à lui, il ne lui dira pas. Donc, la Torah a insisté que à lui, lorsque le plaignant leur a demandé de témoigner en les assermentant. Alors si à lui, lo yagid, et ne diront pas leur agadata et doute, leur témoignage, alors venasa avono. Par contre, si ça à une tierce personne, et même si c'est s'il s'agit de l'esclave du plaignant, ou s'il s'agit même tout simplement du nitba, de l'accusé, qui est là et qui demande, qui les assermente, malgré tout, pas tour, ils seront plutôt une de la jouvat et doute. Comme ce qu'on dit, il y aura peut-être la jouvat bitouille selon les conditions. On a déjà évoqué le sujet 2-3 fois dans le Pérec. Et, ah oui, je devais rajouter un petit détail, une erreur que je vous ai dit tout à l'heure plutôt. Oui, ça existe dans la Torah de venir par procuration. Le mourchet, ça s'appelle venir béarcha. Lorsque quelqu'un me doit de l'argent et que j'ai pas envie de, ça me prend la tête de partir me battre avec lui pour récupérer quelque chose, je peux nommer quelqu'un qui va venir se débattre avec lui et récupérer cet argent. Dans ce cas-là, je vais lui écrire une procuration, tout simplement. Ça s'appelle une archa'a dans la Torah. Et dans ce cas-là, il pourra lui-même imposer au témoin de venir témoigner, pour la simple raison que lorsque je vais lui donner ma procuration, alors il va devenir lui-même propriétaire de l'argent réclamé. Donc finalement, il va redevenir lui-même le plaignant. C'est plus qu'il est l'émissaire du plaignant. Il est lui-même considéré comme le plaignant dès que je lui écris la procuration, d'accord? Je lui ai cédé les droits de réclamer, même si ensuite il va me les rendre, et voilà. D'accord? On commence à présent la Mishnah Yud Gimel. Mashbi ani alechem, la première, toute la première partie, jusqu'à Divrei Rabbi Meir, et Chachamim Potrin, non, avant même. Mashbi ani alechem, metzave ani alechem, oserchem ani, arei elu chayavim, bashamayim ova aretz, arei elu pturin, be'alef daled, be'yud kei, be'shakai, be'tzvakot, בחנון, ורחום, בערך הפיים, רב חסד ובכל הכינויים, הרי אלו חייבין, et on s'arrête là, on parle dans notre Mishnah de la manière d'assermenter. D'abord, de manière générale, on avait introduit au tout début de la Shvoua, le principe de jurer, c'est, par définition, ça veut dire se référer à une vérité, et dire autant que cette vérité, elle est vraie, ce que j'affirme est vrai. C'est par définition, c'est ce que ça signifie lorsque l'on jure Bechem Hashem. Donc normalement, on jure toujours au nom d'Hashem. Il faut jurer avec le Shem Hashem. Maintenant, autant que Hashem est vrai, ce que j'affirme est vrai. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on exprime au moment où on jure. Il y a, à part ça, un autre moyen de jurer, c'est la malédiction. Que, on va l'évoquer dans notre Mishnah sous plusieurs aspects, en fait, plutôt vers la fin de la Mishnah. La malédiction aussi, c'est que qu'Hachem le frappe si toutefois il n'y aura pas témoigné. D'accord? Donc j'ai mentionné le Shem Hachem, et j'ai mentionné cette fois-ci une punition qu'Hachem va lui faire. Et donc dans ce cas-là, le même principe est véhiculé.
on est en train de croire en Hachem qui est capable de châtier celui qui ment, on se réfère à lui et on lui dit vas-y, si je mens, frappe. D'accord ? C'est la notion de la Shvoua qu'on peut prononcer par Shvoua, juré, serment, qui est dérivé du mot Sheva, c'est lié aux sept sphirotes. Il y a un rabbi de Bechaye sur la Torah qui parle de ça. Et donc, ça se référait à Hachem. Et la Mishnah, maintenant, va nous apprendre deux petites notions pour le moment. Donc, regardez, on va faire les trois premiers mots déjà. Mashbe ani alechem, metzave ani alechem, oserechem ani, arei elu chayavim. Mashbiya, ça vient du mot Shvoua, je vous assermente. Je vous assermente, sur vous, donc. Ou bien, metzave ani alechem, je vous ordonne. Mais sur ça, la Gemara précise qu'on dit Bishvoua, en précisant ensuite. Je vous ordonne par l'interdit de jurer de la Torah. Donc j'ai mentionné le mot jurer, même si l'action concrète que je vous ai dit, c'était de vous imposer, c'est pas que je vous assermente. Malgré tout, ça s'appelle que je fais jurer, j'assermente puisque j'ai dit le mot jurer. Oserchem ani, je vous défends de ne pas dire ce que vous savez par l'interdit de Shvoua. Alors de nouveau, arei elu chayavim. Ok ? Toutes ces trois expressions, ce sont même si je n'ai pas dit que j'assermente explicitement, que je jure à votre place, j'ai uniquement, je vous ai imposé par l'interdit de Shvoua, ça suffit déjà pour dire que j'ai assermenté. Tout ça s'inclut dans le pasouk de la Torah. Veshama kol ala, qu'on a lu tout à l'heure, il aura entendu le mot ala littéralement, ça veut dire une malédiction. Mais, comme c'est marqué dans Parashat Naso, iten Hachem, je ne sais plus comment il le dit là-bas, les ala veli Shvoua. Ala, une malédiction ou une Shvoua. D'accord ? Maintenant, on va s'intéresser à un autre point important qui va être le sujet de la deuxième partie de la Mishnah sous plusieurs aspects. Quel nom d'Hachem peut-on ? Par quel nom d'Hachem peut-on assermenter ? Alors, s'il a dit Bashamaim ou Vaharetz, au nom du ciel et de la terre, genre au nom de l'univers entier, autant que l'univers il est émet, alors là il n'a pas fait référence à Hachem. Arei et Loupturin, ils seront dispensés. Je vous jure, je vous assermente. Au nom de tout cet univers merveilleux, d'accord, sans faire référence à Hachem directement, même si je fais éventuellement référence au fait qu'Hachem il a créé tout ce monde, mais malgré tout, je ne désigne plus Hachem. Dans ce cas-là, Arei Elu Pturin seront dispensés, étant donné qu'ils n'auront pas juré. Il y a marqué Lotissa Hachem, Hachem Lokecha Lashav, Lotishavu Bishmi Lashaker, vous ne jurerez pas en mon nom en vain. Ou en mentant, donc de ce fait, il faut nécessairement prononcer le nom d'Hachem. Alors maintenant, on va apprendre une série de ce qu'on appelle des kinouim, d'autres qualificatifs d'Hachem, qui ne sont plus son nom, le nom d'Hachem. Hachem, on sait très bien qu'il est, on l'écrit Yud, Kei, Vav, Kei, quatre lettres, un mot qu'il est interdit de dire, Ye, Ko, et Va, d'accord ? Yud, Kei, Yud, Hei, et Vav, et Kei, d'accord ? Et ça, c'est le Shem Hashem qu'on doit lire en prononçant Adnout. Adonout. D'accord ? Ça, c'est le Shem Hashem de manière générale. Alors, la Mishnah va nous enseigner que pour certaines halachot de la Torah, il faudra nécessairement prononcer le Shem Hashem. Et pour d'autres halachot, ça signifiera de désigner d'autres noms d'Hashem ou même d'autres qualificatifs d'Hashem. Par exemple, alors, pour la joie d'Adnout spécifiquement, Be'alef Dalet, il les a fait jurer en prononçant le nom de Adnout. Alef Dalet et le Nun et avec le Yud à la fin. Donc Adni, comme ça on a l'habitude de le qualifier. Be'adni, Adoni, d'accord ? Be'yud Kei, il leur a dit le nom d'Hachem de quatre lettres, Yud Kei, Vav Kei, je vous fais jurer par son nom, je vous assermente en son nom. Ou encore même Be'shakai, le nom Shaddai, c'est aussi un des noms d'Hachem, mais cette fois-ci Ani Kel Shakai, c'est marqué dans la Torah dans plusieurs endroits. C'est un des noms d'Hachem, c'est le nom qu'on écrit sur la mezouza d'ailleurs. Sur le dos de la mezouza, qu'en général, quand on prend une mezouza transparente, alors on voit ce nom, Shakai, c'est aussi un des Shem Hachem. Idem aussi pour Tzvakot, Hachem Tzvakot, Tzvaot. Ouais, on évite de le dire aussi parce qu'on le considère comme Hachem Kadosh. Ou encore, Bechanon Verachom. Hachem, il a 13 midot. Cette fois-ci, faites attention, regardez, ce n'est plus des noms d'Hachem, ni même des surnom, c'est plutôt tout simplement des qualificatifs. Chanoun, Rachoum, Hachem, Hachem, Kel Rachoum, Vechanoun, Erech, Hapaim, Vechesed, Vehemet. Et là, justement, Bechanoun, ou bien Berachoum, Berech, Hapaim. Chanoun, c'est celui qui donne la grâce. Rachoum, celui qui est miséricordieux. Hachem fait référence bien sûr à Hachem. Berech, Hapaim, celui qui est patient.
Rav Chesed qui est plein de bonté. Ou Bechol Akinouim, quel que soit le kinouï, c'est-à-dire le qualificatif que la Torah utilise pour désigner Hachem, si je l'utilise pour te faire jurer en son nom, je te fais jurer, donc même, idem pour si je le fais jurer, si je la sermente, en utilisant aussi un nom d'une autre langue, au nom de Dieu, je le dis en français, au nom du maître du monde, j'ai désigné le maître du monde, même si je n'ai pas prononcé du tout de nom d'Hachem, ni en français, ni même en français, ce n'est pas le nom d'Hachem, encore Dieu, c'est un nom d'Hachem, en français, c'est la traduction, mais le maître du monde, je prononce plus de nom directement, mais je désigne malgré tout Hachem, il suffit de désigner Hachem par un de ces kinouim pour Are Elou Chayavin, ils seront Chayav de la Shvuata et Dout. On apprendra dans la suite de la Mishnah d'autres domaines de Halakha où il faut nécessairement le Shem Hachem, oui ou non. On en reparlera demain, mais Hachem reprendra rapidement ce début de la Mishnah, mais pour le moment, on a déjà découvert cette Mishnah, on s'en servira comme ça plus vite. Et on fait très rapidement le Bartenora, Metzaveni Alechem, lorsque je vous ordonne, Vehu Sheyomar, Metzaveni Alechem, Mijvoa, je vous ordonne, par l'interdit de Jvoa, Vosevchem, je vous défends de vous taire, Mijvoa, par l'interdit de Jvoa, de nouveau, il faut toujours enseigner le mot Jvoa, et en plus de ça, prononcer, comme ce qu'on apprend à la suite, prononcer un Shem ou un Kinouï, ce qu'on appelle un Kinouï, un qualificatif d'Hachem. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, c'est là.